Clear, claro. claro. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance de BNF dans mon salon. Séance qui revêt un caractère particulier puisqu'elle a été conçue alors que nombre d'institutions françaises et étrangères veulent exprimer leur solidarité avec l'Ukraine. Sur l'initiative des musées de Rouen, avec l'appui du ministère de la Culture, le musée du Louvre, le centre Georges Pompidou, l'Institut national d'histoire de l'art, la Bibliothèque nationale de France et d'autres encore organisent des conférences et des événements destinés à faire connaître plus largement l'histoire, la culture et la création artistique ukrainienne. Je m'appelle Isabelle Le Man de Chermont, je suis conservateur, directeur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et dans ce cadre, je vais vous présenter un document insigne de nos collections qui porte la, seine, la signature de celle que nous appelons en France la princesse Anne de Kiev. Anne de Kiev. Ce document est digne de retenir l'attention. Il est important, il est à certains égards exceptionnel. Ce document est digne de retenir notre attention car il est fort ancien. Il a près de 1000 ans. Il s'est transmis donc de génération en génération depuis dix siècles. Ce document ancien est important car il s'agit de la mise par écrit d'une décision royale, en l'occurrence un privilège accordé en 1061 par le roi Philippe Ier aux moines d'une abbaye bénédictine de la ville de Soissons. C'est donc un acte royal et les actes royaux de cette époque qui nous ont été conservés sont rares. Cet acte royal, ancien et important, est digne, est exceptionnel, car il est le seul document connu qui porte la souscription, la signature en quelque sorte, de la princesse Anne, fille de Jaroslav de Kievi, devenue reine de France par son mariage célébré à Reims en 1051 avec le roi Henri Ier. Cet acte prend aujourd'hui une valeur émotionnelle renouvelée, alors que cette princesse est érigée en symbole des liens anciens qui unissent la France et l'Ukraine. Durant cette présentation d'une vingtaine de minutes, je vous propose de commencer par examiner ensemble la forme matérielle de cet acte en insistant sur son caractère solennel. Dans un second temps, nous reviendrons sur le mariage de la princesse Anne avec le roi Henri Ier. Je terminerai en disant quelques mots sur la façon dont la mémoire de la reine Anne se transmet euh, en France. Avant de commencer, je précise que cette présentation s'appuie sur une reproduction numérique qui est consultable librement et gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque de France. Donc c'est cette, euh, cette, euh, cette euh, reproduction qui s'affiche à l'écran sur laquelle je vais vous proposer de circuler pendant quelques minutes. Alors, voici une vue d'ensemble de ce document que vous voyez là s'afficher et on va l'examiner attentivement. Euh, Il frappe d'abord par euh, sa taille. Il est à peu près deux fois plus euh, haut euh, que large. Il fait 30 cm de large, 60 cm de haut environ. Euh, pour vous donner un point de repère, c'est à peu près deux fois la taille d'un format A4 euh, d'aujourd'hui. Alors, ce document, il est euh, transcrit sur parchemin. Le parchemin, c'est ce matériau obtenu à partir de, de peaux animales, du mouton, du chèvre ou du veau, des peaux qui sont longuement traitées euh, pour qu'on puisse euh, écrire dessus. L'usage du papier n'apparaîtra que plus tardivement en Europe, au XIIIe. Alors, le parchemin, cher si coûte cher à fabriquer, il est donc bien souvent utilisé avec une grande parcimonie. Or, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas du tout utilisé à l'économie. Le texte ne couvre que la moitié supérieure du, du parchemin. Et donc, la partie, le parchemin, le, la partie textuelle, si nous nous en rapprochons maintenant un peu davantage, nous voyons que il est, euh, il est, les lignes sont largement espacées. Donc, on n'est pas à essayer d'écrire le maximum sur un minimum de papier. Ça, on voit bien qu'à ce titre, c'est assez solennel. Alors, si on se rapproche encore, on voit que l'encre qui est utilisée est une encre brune, qui a certainement un peu brudi, évidemment, euh, au fil des siècles. Une encre qui est à l'époque fabriquée à partir de la noix de galles, une espèce de parasite qui se récolte sur le chêne et que l'on mêle à la gomme arabique pour obtenir la consistance nécessaire. Intéressons-nous à l'écriture maintenant. Cette écriture, on va la reprendre voilà, d'emblée. Vous voyez, elle est régulière, elle est bien formée. C'est celle qui est employée couramment à l'époque par ce qu'on appelle la chancellerie royale. La chancellerie royale, c'est en, en, en quelque sorte la, le secrétariat du, du roi qui a la charge de rédiger ses actes officiels. C'est une écriture euh, qui euh, allie euh, l'élégance et la lisibilité. Les caractères sont traités, sont, sont écrits très régulièrement, tracés avec une grande maîtrise par un professionnel, si vous voulez bien motoriser cet anachronisme, des gens qui travaillent à la chancellerie, qui ont l'habitude de le faire. Bien qu'il ait été écrit il y a mille ans, il y a des mots qu'on peut arriver encore aujourd'hui à déchiffrer immédiatement sans connaissance particulière. Le début de ce texte qui va nous dire qui écrit, par exemple, est un beau terrain d'exercice. Vous voyez ici. Que l'on église sans bien beaucoup de problèmes, Philippus écrit en majuscule, le roi Philippe, même s'il y a un L et pas deux, et même si le V est tracé comme un U, Philippus se rejoint, se, se lit sans problème. Le premier mot, ego, moi, ego Philippus, avec cette jolie euh, petite, euh, petite jambage du, du G là se lit aussi sans difficulté. La suite peut être un petit peu plus complexe parce qu'il y a des abréviations, ce qui est fréquent au Moyen Âge, mais sinon c'est Ego Philippus, gracia dei Francorum rex, moi Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs. La langue employée donc, Ego Philippus, gracia dei Francorum rex, est le latin, qui est à l'époque la langue officielle et la langue des lettrés dans une grande partie de l'Ouest de l'Europe. Nous avons donc vu d'abord la moitié supérieure du document. Passons maintenant à la moitié inférieure. Que pouvons-nous y observer Tout d'abord, une incision que vous voyez ici et qui servait à fixer le sceau royal, c'est-à-dire cette empreinte faite sur la cire pour attester que le roi validait bien le document. Le, le sceau n'a pas été conservé, mais par d'autres actes, nous savons qu'il représentait le roi assis en majesté sur le trône. À gauche de ce sceau figurent deux croix qui sont la marque officielle de ceux qui approuvent ce texte. Pour savoir qui sont les croix, il faut euh, utiliser les commentaires, si j'ose dire, qui sont placés euh, à droite. Tout d'abord, ici, un monogramme, c'est-à-dire une figure qui récapitule euh, en une seule euh, image. Les différentes lettres, les six lettres en l'occurrence, qui sont les six lettres différentes qui sont utilisées pour écrire le nom du roi Philippus. Vous reconnaissez le P, le H, le L est ici, le I, on reprend le P, le U en fait sous forme de V est là et le S est là. Donc le monogramme du roi Philippus qui est tracé à côté de la croix, euh, qui, qui explique que c'est lui, lui qui, qui valide cet acte. La deuxième croix, n'est pas accompagnée d'un monogramme. Elle est accompagnée d'une souscription qui est tracée en caractère cyrillique. Et c'est bien sûr ça qui nous intéresse cet après-midi. Alors comment la lire, cette souscription en caractère cyrillique En nous appuyant sur des lettres facilement identifiables. Le A qui est ici, qu'on va retrouver là et ici. Le N, ici. Et donc on a Anna. Avec un seul N, Anna, N-A, c'est à nouveau Na, et là, Régina, Anna, Régina, la reine Anne. Ainsi, en 1061, date de cet acte, Anna, Régina, la reine Anne, veuve depuis peu du roi Henri Ier, et, et mère du tout jeune roi Philippe, qui n'acceptant alors, apparaît pleinement associée à l'exercice du pouvoir royal. C'est là un des éléments qui fait le prix de ce document aux yeux des historiens. Après avoir examiné la forme matérielle de cet acte, il est temps maintenant de nous intéresser de plus près au mariage de la princesse Anne et du roi Henri. Il nous faut pour cela, si vous le voulez bien, nous appuyer sur quelques cartes de l'Europe au euh, XIe siècle. Henri Ier, époux euh, de la princesse Anne, et le petit-fils d'Hugues Capet. Hugues Capet, bien sûr, fondateur de la dynastie capétienne, sacré rex francorum, roi des Francs, en 987. Francorum, ces Francs donnent leur nom à la Francia. On ne dit pas la France encore à l'époque, à la Francia, qui est très différente de ce que nous appelons aujourd'hui la France. Le domaine royal... Sur lequel le roi exerce une autorité directe et dont il tire ses revenus, il est figuré en bleu sur cette carte, est situé pour l'essentiel au nord de la Loire, autour de Paris et d'Orléans. Vous voyez qu'il est d'une étendue modeste, correspondrait à deux ou trois de nos départements actuels à peu près. Certains des grands seigneurs qui reconnaissent la suzeraineté du roi, son autorité en quelque sorte, sont à la tête de territoires souvent plus vastes et plus riches que leurs souverains. C'est le cas du comte de Ch enfin, le cas à l'est du comte de Champagne ou du duc de Bourgogne, au sud du duc d'Aquitaine, à l'ouest du duc de Bretagne, du duc de Normandie, le duc de Normandie qui, quelque temps plus tard, fera la conquête de l'Angleterre, et au nord du comte de Flandre, Baudouin, qui a épousé une sœur du roi Henri. Alors, cette, euh, cette euh, Francia a en outre de forts puissants voisins. Donc, le roi, ils doivent composer avec ses vassaux, mais aussi avec des voisins d'un poids, euh, poids non négligeable. Édouard, le roi d'Angleterre, au sud. Alors, pardon, parce que sur la carte, il faut un peu imaginer l'Angleterre, mais oui, elle est bien là, je vous le garantis. Donc, Édouard, le roi d'Angleterre. Et surtout, à l'est, euh, l'empereur. Henri III, qui, dont le poids politique, diplomatique et économique est alors majeur. Vous voyez bien sûr que euh, ces terres, euh, enfin, la partie euh, impériale, euh, comprend l'Alsace, euh, comprend euh, Besançon, Toul, enfin, la Lorraine, euh, la Franche-Comté actuelle. Hein. Donc le poids de l'empereur est très très important. La capitale est à Aix-la-Chapelle. Et l'empereur couron... Henri III a été couronné à Rome. Or, à cette époque, le mariage est un moyen éprouvé de s'assurer des alliances. La continuité dynastique est un gage de stabilité du pouvoir. Henri Ier avait d'abord épousé une nièce de l'empereur. Elle était morte peu de temps après, ne laissant qu'une fille qui ne lui survécut guère. Les années passaient. Le roi avait plus de 45 ans, il était veuf et sans héritier. La question de son remariage devenait cruciale. Il pouvait être opportun à cette occasion d'envisager une alliance avec un prince susceptible d'être un appui dans les relations à avoir avec de puissants voisins. Donc ça valait peut-être le coup, on a regardé cette partie-ci de l'Europe, d'aller voir euh, plus à l'est de l'Europe où existaient d'autres puissances euh, importantes. On va pouvoir voir sur cette nouvelle image. Le prestigieux empire byzantin d'abord, qui s'étendait sur l'Asie mineure, euh, l'ensemble des Balkans et jusqu'en Italie, la capitale, Constantinople, Byzance, au sud-ouest de, sud de la mer Noire. Ce qu'on appelait alors la Kievi, ou rouge de Kiev, couvre de vastes territoires dont vous voyez qu'ils s'étendent au nord. Jusqu'à la Baltique. Plusieurs grandes vallées fluviales, au premier chef, celle du Dniepr, constituent depuis l'Antiquité, des routes favorisant la circulation entre le nord et le sud de l'Europe, sont ainsi propices à de fructueux échanges commerciaux, ce qui donne une grande vitalité économique à cette région. Kiev, Kiev connaît alors une époque euh, très prospère, qui se traduit dans la forme même de la ville. La cathédrale Sainte-Sophie est en voie d'achèvement. Alors là, juste pour la beauté de la chose, je vous ai mis une image, bien sûr, récente hein, de, de Sainte-Sophie, et également euh, cette image d'une somptueuse, d'un enfin, de la somptueux décor de mosaïque hein, de la de la cathédrale. Ici, la, la Vierge Orange où on sent toute l'influence de l'art et de la enfin, les rapports avec euh, la, la tradisation byzantine. Je rappelle que la cathédrale Sainte-Sophie a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. Kievy a alors pour souverain le prince Yaroslav, C'est le fils de Volodymyr Ier. Il a fait de Kiev sa capitale et a lui-même conclu des alliances matrimoniales très avisées. Il a pour oncle un empereur byzantin. Il a épousé une fille du roi de Norvège. Et une de ses sœurs a épousé le roi de Pologne. Il a marié une de ses filles au roi de Hongrie, une autre au roi de Norvège. Il a marié un fils à une parente de l'empereur byzantin. Et un autre à une sœur du roi de Pologne. Et c'est vers Jaroslav que se tourne Henri pour prendre femme, peut-être sous l'influence de Baudouin de Flandre, plus probablement d'ailleurs sur celle de Casimir de Pologne, qui avait longu longuement résidé à Paris avant de devenir roi. Henri Ier charge l'évêque de Meaux, gautier d'aller formuler sa demande qui est agréée. Après un long voyage, Anne arrive en France en 1051 et le mariage est célébré à Reims durant les fêtes de Pentecôte. La princesse Anna Yaroslavna devient ainsi la reine Anne de France. De ce mariage naquirent trois fils, dont l'aîné Philippe devint roi à la mort de son père en 1060. La reine Anne est donc femme de roi et mère de roi. Elle est l'aïeule de tous les rois français qui se sont succédé au fil des siècles, parmi lesquels Saint-Louis, François Ier, Louis XIV, Louis XVI, et jusqu'à Louis Philippe, dont le règne s'achève avec la Révolution de 1848. Pour terminer ce propos, quelques mots maintenant sur la façon dont s'est perpétuée en France la mémoire de la reine. Anne. Certaines reines de France sont particulièrement célèbres. Je parlais des rois à l'instant, en parlant des reines, on se souvient de Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis au XIIIe siècle, d'Anne de Bretagne à la fin du Moyen Âge, ou encore de Marie-Antoinette d'Autriche au XVIIIe siècle. La mémoire d'Anna Jaroslavna, la reine Anne, s'est transmise de façon plus discrète, mais néanmoins certaine. Alors, j'en prendre quelques exemples dans les chroniques historiques, à Sanlis, ou encore dans des romans. Pardon, ça c'est la porte dorée, j'y reviendrai. Alors, pardon, excusez-moi. Euh, alors, d'abord, un exemple dans les chroniques. Au Moyen-Âge, les rois de France ont fait écrire l'histoire dans un récit actualisé au fil des règnes qui s'attache à, dé à détailler la vie et les hauts faits de chaque souverain. Ce qu'on appelle les chroniques de France sont bien souvent richement illuminées. Et vous en voyez ici un bel exemple avec cette représentation du mariage du roi Henri. Et de la princesse Anne, tirée d'un manuscrit exécuté à Paris au XIVe siècle pour la famille royale et qui est aujourd'hui conservé à la British Library, euh, à Londres donc. Hein. Autre exemple de la mémoire conservée d'Anne de Kiev, donc dans ces livres, livres qui ont écrit l'histoire de France, mais aussi dans certains lieux, je vous emmène ici à, à Senlis, euh, qui occupe une place très particulière à cet égard. La reine Anne s'y est retirée quelque temps après son veuvage et après un second mariage qu'elle a contracté avec le comte de Valois. Elle y a fondé l'abbaye de Saint-Vincent dont les moines ont célébré chaque année jusqu'à la révolution une messe à la mémoire de leur fondatrice. Alors, c'est bien, euh, la reine, voilà, la reine de France, la reine Anne, qui est représentée sur cette statue de pierre du 19e. Donc à gauche de votre écran, la grande statue. La statue qui figure à droite est beaucoup plus récente. Elle, a été, elle est en bronze. Elle a été offerte en 2005 à la ville de Senlis par l'Ukraine. Elle est sur la place de l'obéliste. Il y a en outre à Senlis un centre Anne -de, de Kiev qui s'attache à développer et à diffuser la culture ukrainienne. Dernière image pour traduire cette mémoire conservée d'Anne de Kiev. Alors, il ne s'agit plus de manuscrits médiévaux traduisant la façon dont on écrivait alors l'histoire de France. Il s'agit plus de représentations artistiques, enfin de, de sculptures, de ces statues que nous avons vues à Senlis. Il s'agit de romans. Et euh, comme je suis. Euh, bibliothécaire, je ne résiste pas à vous montrer qu'il y a une production bibliographique enfin, de, de, autour d'Anne de Kiev. En voici quelques exemples de nature extrêmement euh, différente. Alors, il s'agit bien sûr de biographies romancées, puisque nous ne disposons que peu de sources pour euh, connaître la vie de la reine Anne, mais ces livres, dans l'ensemble, peuvent se lire euh, avec plaisir. Donc, c'est sur cette euh, note... Euh, de roman que, romancière que je terminerai cette présentation afin de garder le temps nécessaire pour répondre à deux ou trois questions. Ah, pouvez-vous nous en dire plus sur des objets euh, ayant appartenu à la reine Oui, tout à fait. Alors merci parce que du coup, j'aurais pu m'arrêter un peu davantage sur une représentation de sur une représentation de, voilà, je vais essayer de la remettre à l'écran parce que j'ai pas eu le temps d'en parler alors, évidemment, euh, on aurait pu s'attendre à ce que, euh, par son mariage, la princesse apporte des terres, parce que c'est souvent ça, l'enjeu le, le, du mariage, euh, princier au moyen âge, d'apporter des terres. en dot. évidemment, les terres situées aussi à l'est ne pouvaient pas intéresser le roi de france. en revanche, on sait que la reine, euh, la princesse, est arrivée avec des objets précieux. Euh, alors, il y a un évangéliaire qui est conservé à reims, hein, dont on a longtemps cru qu'il appartenait, qu'il était venu euh, et qu'il lui avait appartenu. on sait maintenant que ce n'est plus le cas. l'objet qui était certainement très important, c'était une pierre précieuse qu'on appelle une spinelle ou yacinthe qui ressemble considérablement à un rubis euh, qui était somptueux nous dit-on et qui a été montée sur une couronne vous voyez ici une représentation euh, tirée d'une estampe, oui, estampe conservée à la bibliothèque euh, nationale de france donc évidemment un dessin on ne conserve plus cette spinelle hein, parce que la couronne a été démontée euh, à la révolution euh, donc la pierre a été perdue juste pour vous donner une, un exemple de ce que ça pouvait être, on voit une pierre de même type qu'on appelle le rubis du prince noir et qui est toujours présent aujourd'hui euh, sur la couronne de la reine d'Angleterre, telle qu'on peut la voir à la tour de Londres et dans les grandes occasions évidemment euh, portée par la reine elle-même. Donc voilà. Et autrement, ben, finalement, il n'y a pas d'objet qui a été, dont on sait qu'ils ont été touchés par par, par par la par la reine Anne. Donc le, ce parchemin, ce, ce, cet acte diplomatique que nous avons vu ensemble a de la valeur parce que ça on sait qu'elle l'a eu entre les mains alors comment connaît-on la composition de l'encre du document? alors on connaît la, la composition de l'encre du document parce que euh, la, cette question de, de l'encre euh, préoccupe beaucoup les, tous ceux qui ont à, à écrire euh, au, à cette époque-là. Euh, et que on a des, des livres de recettes, si j'ose dire qui explique comment est-ce qu'on doit faire pour composer l'encre. Donc, on s'appuie déjà sur ces livres de recettes du, du Moyen-Âge. Et puis, bien sûr, à l'époque actuelle, nous avons beaucoup développé des techniques d'analyse physico-chimique, des documents qui permettent à chaque fois de pouvoir préciser davantage euh, les types de matériaux qui ont été euh, utilisés. Mais encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il y a souvent cette base que l'on retrouve de, 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 de noix de gale, c'est-à-dire parasites du chêne, qu'on mélange avec de la gomme arabique qui sert de liant. Et après, bah, bah, tout l'art, c'est d'arriver à faire ce mélange de telle façon qu'on ait euh, une, une consistance qui soit bien propice à, à l'écriture. Euh, bonsoir à tous et merci pour cette belle initiative. Merci beaucoup, Elena Carloni. Pourquoi avez-vous choisi de présenter ce document en particulier? Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de, de présenter ce document en particulier C'est parce que, euh, pour nous, il était, il est très important. Enfin, évidemment, quand on travaille dans les bibliothèques, singulièrement dans des bibliothèques qu on a, qui ont des collections anciennes très importantes, c'est le cas hein, de la Bibliothèque nationale de France. On a parmi les collections anciennes, enfin vraiment les, des, celles qui font partie des plus importantes au monde. Et ben, on a cette chance immense d'avoir des documents très anciens. Ce n'est pas le cas partout. Et euh, il nous a semblé que pour parler de, de ces liens anciens qui pouvaient exister, euh, choisir un document qui, après dix siècles, c'était particulièrement euh, éloquent. Donc voilà la, la raison pour laquelle euh, c'est cet acte, euh, cet acte où on trouve la souscription de la reine Anne que nous avons choisi euh, ce soir. Bien, eh bien, nous arrivons maintenant euh, près de la du terme de, de, de cette séance. Euh, il nous va falloir nous, nous il va falloir euh, la, la clôturer. Euh, je voulais euh, vous, vous indiquer d'une part que évidemment cette, cette émission est réécoutable, et d'autre part que nous répondrons aux questions que vous auriez pu envoyer pendant cette présentation et que nous n'avons pas eu le temps de répondre en différé, euh, et souvent d'ailleurs en utilisant euh, les ressources non négligeables de la Bibliothèque nationale de France. Avant de vous quitter, je vous indique que vendredi prochain, le 15 avril, la Bibliothèque nationale de France organise, avec les formations musicales de Radio France et en partenariat avec France Musique, un concert en soutien à l'Ukraine. Le programme sera consacré à l'œuvre du compositeur Theodore Akimenko, né à Kharkiv, dont les manuscrits sont conservés dans les fonds du département de la musique. Les recettes de ce concert contribueront à l'envoi de matériel destiné à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine ukrainien. C'est ainsi que la Bibliothèque nationale de France, avec ses partenaires, euh, souhaite s'associer euh, à ces gestes de solidarité euh, qui sont actuellement en œuvre dans, mis en œuvre par de nombreuses institutions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.